Tu crois que ça va marcher, même si ta sœur est sur Ephedia? On va bien voir. Talia, Iris, Oriana, vous m'entendez? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La connexion est très mauvaise, c'est bizarre. Il doit y avoir des interférences. Izira, Iris a une question. Vas-y. J'ai reçu un message de mon père. Je ne sais pas si je peux le croire ou non. Il s'est échappé. Le roi? Le roi se demande pourquoi tu n'es pas déjà sur Ephedia. Il attend que tu le rejoignes. Alors on devrait accompagner Iris. Oui, on est une équipe. Non. Quoi? Le roi a précisé que vous ne pouviez pas venir. Comment? Tu es sûr? Il préfère qu'Iris rentre toute seule. Elle... Oh! C'est super pénible, ces interférences! Oh, le vocal extra n'était pas truqué. Donc, ça veut dire que l'une de nous est du côté de Kramer? La seule chose que je sais, c'est que moi, je ne travaille pas pour lui. Mais moi non plus, je te ferais dire! Hein? Allô? Ah, bonjour, Lara. On est très occupés. À répéter. Oh, je suis désolée de vous interrompre, mais il faudrait que vous veniez tourner une publicité pour le concert. Une publicité? Ah oui, pas de souci. Parfait. On vous attend au studio télé. Ne vous inquiétez pas, on va se dépêcher pour que vous puissiez retourner répéter. D'accord. Très bien. À tout à l'heure. Oh, Lara veut qu'on tourne une publicité pour le concert. Je vois pas l'intérêt, franchement. De toute façon, si tu retournes sur Ephedia, il y aura même pas de concert. Lev a dit qu'il ne pourrait pas rouvrir le vortex avant un moment. Ça nous coûte rien de tourner cette pub. Et puis, peut-être que je devrais rester, en fait. Non, il faut que tu y retournes. Ma sœur a confirmé que le roi s'est libéré. Mais elle se trompe, peut-être. Non, Izira ne se trompe jamais. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi je ne peux pas joindre Talia? Il ne devrait pas y avoir autant d'interférences. Oh, une minute. Crystal Rebellious. Oh, de la magie de cristal noir. Ah, je ne comprends pas. Où les tenait? Pourquoi les a-t-on épargnés? Oh, parce que ça faisait partie du plan, idiot. Du plan? Quel plan? S'il y a un plan, j'exige d'en avoir les détails. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Allez attendre dans la clairière. Mais attendre quoi? Dites-moi au moins ce qui se passe. Exécution! Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. On est seulement un peu stressés à l'idée de faire un concert aussi énorme. Je comprends parfaitement, les filles. Mais surtout, ne vous en faites pas. Vous allez être géniales. Soyez prêtes à enflammer la scène. À tout à l'heure. Alors, est-ce que t'as eu confirmation que je disais la vérité? Oui, ça y est. Parfait. Maintenant, il faut qu'on file sur Ephedia. J'ai relancé l'ouverture du vortex, mais attention, je ne pourrai pas le faire une troisième fois. D'accord, j'arrive. Laisse-moi juste me changer. Oh. Non, pourquoi les filles ont toujours besoin de changer de tenue? Calme-toi, j'en ai pas pour très longtemps. Je devrais prévenir Talia et Oriana que je m'en vais. Désolé, mais on ne peut pas se permettre de perdre encore du temps avec des adieux déchirants. Le roi nous attend, je te rappelle. T'as raison. Accorde-moi une minute et on pourra se mettre en route. Parfait, ça me va.